bien le bonjour, c'est reparti pour un nouveau direct. J'ai mis ce qu'il fallait, j'espère, sinon bah c'est cuite. C'est cuite. Ouais, c'est bon. J'ai mis ce qu'il fallait. Ouais, on est reparti sur de l'actu, c'est important. Voilà pour Facebook, Odyssée et YouTube. YouTube. Parce que ça fonctionne, parce qu'il le faut. Ouais, j'ai un peu la crève. J'ai embrassé Jésus. J'ai chopé la crève de Jésus ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien le bonjour. Je vous vois pas là, mais je vais bien vous voir. Alors, YouTube, c'est ici, je crois. Ouais, c'est bon. Salut Comet, Elila, Corinne, bonjour à vous, vous qui passez sur YouTube. Je tiens à le dire, sur Facebook, je fais des petits directs à 19h le soir. Je fais des 15 000 vues, je comprends pas. Facebook serait-il en train de se décoincer? Alors que quelque part, quand je fais mes sujets en simultané, tout le monde s'en fout, quoi. Je sais pas ce qui se passe. C'est compliqué de diffuser sur YouTube, Facebook, hein. Je vous le dis, c'est compliqué même de trouver des sujets. Mes sujets, je les trouve déjà pour des lives. Après, là, c'est de l'actu, mais c'est un scandale, hein, ce qui se passe. Hein. Vous êtes au courant pour... Faut prendre du zinc. Ouais, mais je vais me nourrir. Vous êtes au courant pour Borne ou pas? Elisabeth Borne. Alors, je vous l'ai mis sur Odyssée. J'en ai même fait un screen. C'est même Monsieur Asselineau qui en parle. Les ministres ont offert à Borne un maillot Coupe du Monde portant le numéro 49-3. Il rit ainsi des 10 recours au 49-3 qui ont tué tout débat à l'Assemblée. Il rajoute « Cet anti-parlementarisme confirme que ce gouvernement est le plus à l'extrême droite depuis 1941. » Il se moque des Français, en fait. Il se moque des Français, il se moque de la démocratie. Avec une Elisabeth Borne, je l'appelle comme ça, s'il vous plaît. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi vous faire zapper, hein. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire, puisque je diffuse, merci Laurent en tout cas. Elisabeth Borne, elle fume aussi devant des enfants, elle fume aussi là où elle ne doit pas fumer. Et je vois un petit peu ce que fument ces personnes qui vapotent. Faut vraiment être barré de la tête pour fumer ça. Hein. C'est pire que les clopes. Hein. Déjà les clopes, moi j'ai jamais touché, je toucherai jamais. Mais alors, les vapoteuses, il faut être complètement suicidaire. Hein. Mais vraiment, hein. Alors là, c'est un petit peu ce qu'ils sont, ils sont suicidaires. Ils sont en train de rigoler, là. Ils rigolent, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ah non, je dis pas ça, j'ai vu Jésus hier. Ils savent très bien ce qu'ils font, mais ça, je peux pas le dire. Si on est sur YouTube, ah, ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, bah, bien le bonjour. Je commence un petit peu en avance. Merci de récupérer et de retrouver. Bonjour, le 40, Jean-Luc. Vos 2-3 chiffres, département, suivi du nom du département, s'il vous plaît. Ça vous fait réagir, ça vous fait, justement, entrer dans le chat. Chaud pour 17h des lives, toujours. Toujours. Toujours parce que on est parti sur une autre plateforme et beaucoup s'y retrouvent beaucoup mieux qu'un. Il y a deux jours, on était 920. Vous étiez 920 en simultané sur mon délive. 920 sur une plateforme en dehors des GAFAM. Très peu dans le monde savent le faire. Parce que vous savez qui je suis, ce que je propose et ce qui nous concerne. 4064. D'accord. 44600 Saint-Nazaire, 83 Var. Rocard, il l'avait utilisé 28 fois. Non mais je comprends bien, mais c'est un peu comme ceux qui vont nous dire « Ouais, non, c'est mieux en France, ailleurs c'est la dictature. » Mais quelque part, il y a des Français qui ont, pour certains en tout cas, voulu de nouveau Jupipi. Mais en juin dernier, l'époque à laquelle 50% de ceux qui consultaient des infos sur Internet sont partis, eh bien, vous en avez qui ont souhaité élire leurs députés. À quoi ça sert de renouveler les députés si ces députés font partie de l'opposition contrôlée? Ça sert à quoi? Un peu comme, justement, quand vous avez, pour certains en tout cas, je pense, réélu votre maire qui n'a pas les coudées franches, qui est un peu bloqué quand il s'agit du préfet qui va lui intimer l'ordre de faire ci ou ça. À quoi ça sert d'aller poser son bulletin pour les maires, pour les députés. Il y en a qui aiment beaucoup aussi aller poser pour le président. Il y en a qui se complaisent dans une médiocrité intellectuelle crasse. D'autres qui bouffent à la gamelle. Donc après, tout est mélangé.
Je pense que ça leur plaît pas quand on leur dit ça. Mais bon, je m'en fous, je les connais pas. Je les connaîtrai jamais. 32 Gers, 78 Yvelines, 64 Pays Basque. Bishop Jason, tu dégages. Tu sers à rien, donc je te dégage. Alors, bloqué, voilà, tu pourras plus écrire. Si t'as cru qu'on était en démocratie, toi, pépère. Il m'a dit, toujours là à parler pour ne rien dire, t'es carrément trop fort, tu seras dans l'histoire de YouTube du mec le plus stérile, bravo. T'as un problème de quoi? De stérilité? T'as un problème avec quoi? Avec tes coronesses? T'es pas assez couillu? Tu ne sais que baver, s'en sortir pour affronter les éléments? Tu me fatigues. C'est bien de dire les choses, mais c'est bien de faire. Et consulte mes 12 000 vidéos, il y aura un petit peu peut-être des choses qui pourraient te faire vibrer. Le coup de gueule de Mike Borowski à propos des boulangers? Je crois que j'ai vu ça passer assez vite, faut que j'aille consulter Laurent. Je vais aller voir. 72 Le Mans. Mais il y en a encore qui veulent le binaire. Moi, je suis un bonhomme. Moi, je suis un bonhomme. Je vais t'éclater la tronche. Je suis un bonhomme. Toi, t'es rien du tout. T'es un misérable, quoi. Tu es toujours en mode binaire où tu veux justement un responsable. Le responsable, c'est toi, là. Être tout le temps, là, comme ça, là. À vouloir gratter, là. Mais ça va pas, non. Touche pas à mon business. Voilà. Et ça plaît pas. Ils vont dire, ah, il fait des sous. Très peu. Mais il va falloir que ça monte, parce que sinon, je pourrais pas continuer. Merci, Marie-Laure. C'est pour ça que, quelque part, on va de plus en plus faire des lives privés. Parce que c'est le procédé, quoi. De public, tu fais un truc public pour passer en privé. Sinon ça sert pas à grand-chose au niveau, justement, de ce qui te reste. Non pas à la fin du mois, mais au milieu de mois ou avant. Je vous le dis, hein, je suis un peu comme pour la santé. Je suis pas très, très bon pour dire les choses en temps réel, quoi. Je dis pas trop les choses. Mais on est vraiment bien bloqué de la tête. On a bien été fatigué. On est plus fatigué que ce qu'on laisse penser. On n'ose pas forcément se montrer. En tout cas, pour le 49-3, le maillot Coupe du Monde, les ministres dans une réunion à Matignon pour leur Noël, vous avez l'exécutif qui se moque justement du législatif et qui se moque donc des Français. Et il faut le savoir, donc, le gouvernement se moque des Français. Laisse tomber, c'est une personne négative? Non, je le crame. Je vous le dis, c'est important, on ne résout pas la violence avec de la violence, mais en face de cette violence continue depuis des décennies, on ne peut pas, on a du mal à ne pas réagir avec de la violence, il faut la maîtriser, cette violence. On a une violence en nous, parce qu'on n'en peut plus de toutes ces personnes qui collaborent ou qui souhaitent justement qu'on se mette aussi la carotte, avec une complicité manifeste. Si on lit la grande réinitialisation de Klaus, tout le tissu économique va crever sans broncher. Bah, il mérite, hein. Il mérite. Quand tu vois, parfois, vous voyez Nadia qui dit ça par rapport aux commerçants, je me suis dit, mais elle y va pas un peu fort, là, à taper comme ça sur les commerçants? Bah, on est entouré de personnes qui méritent. Voilà, c'est tout. Tu mérites. C'est comme ça. T'es né comme ça, t'es né pour ça. T'es né pour te faire carotter, t'es né pour te faire écraser. T'es né pour être complice, bonjour Patamax. Donc tu mérites. Oui, Chantal, laisse tomber les minables. Je sais, mais bon, ils ne méritent pas l'énergie que tu leur consacres. Je sais. Ça permet de me remonter un petit peu la pépèche. Ça permet aussi de justement de dire, on ne règle pas la violence avec la violence, mais sauf qu'on n'est plus toujours entouré d'une violence sociétale sans commune mesure. Il n'y a pas vraiment d'ascenseur social. On est dans un système de caste comme en Inde. Et quelque part, il y a une violence sans nom. Et il faudrait qu'on soit très calme. On n'a pas à être calme forcément. Bon là, il suffit pas de grand chose pour qu'il y ait... Ah, merci Dom Dom. Il suffit pas de grand chose pour que certains s'accumulent parce que finalement, justement, il pleut un petit peu, donc il y a du monde un petit peu autour. Voilà. Alors, vous nous dites... Quelqu'un peut mettre le lien des lives. Deslives.tv/réservoir live. Les médias font toute une polémique avec le gardien argentin. Et lorsque je parle du comportement de Jupipi avec Mbappé, les trolls paniquent. Je sais plus ce qu'il a fait le gardien argentin. J'ai pas suivi. Hein. Vous avez fumé la moquette, hein. Vous avez pris l'hypnose collective. J'ai pas suivi ce qui s'est passé. Côte de bœuf, 58 euros. Cristal, bah, si tu viens pas à Paris, t'as pas... N'ayez pas peur des prix. N'ayez pas peur des prix. Ah ouais, 58, ouais. C'est possible de penser positif à SVP? On n'est pas chez SVP, on n'est pas à la télé, hein. Vous voyez comment certains se foutent de vous.
D'ailleurs, pour la seconde partie pour Twitch, j'ai même rajouté justement autre chose. Le titre de Twitch, le gouvernement a commandé pour 10 millions de grenades lacrymogènes assourdissantes. On va continuer là-dessus. Vous avez tous les jours AK-47, Alexis Kohler, pour ceux qui connaissent, celui qui dirige le pays avec Jupipi, qui reçoivent Jupipi et AK-47, on va les appeler comme ça, AK-47 et Jupipi qui gouvernent le pays, entre guillemets, reçoivent des documents tous les jours qui leur précisent la violence en France. Il y aurait des quartiers un peu défavorisés où ça pourrait s'embraser d'une seconde à l'autre. Ils sont très inquiets. Et quelque part, je comprends qu'il y ait donc une commande de blindés, une commande de gaz lacrymo, si pour 2023, ça risque de s'embraser. Alors, faire attention aussi à ce qu'on fait, parce que c'est délicat tout ça. Jeune homme... Un petit chocolat. Ouais, s'il te plaît. J'ai arrêté le coca. Il y a du fœtus, et on peut pas être complice du fœtus. Hein. On venait... Non, c'est pas les kidnappings, ça, c'est tout ce qui, après, concerne le trafic. Moi, j'ai jamais oublié qu'il fallait que je me signe une autorisation pour sortir ou boire un café assis, long debout. Quelle honte! Ouais, mais c'est une humiliation. C'est une humiliation. Perso, j'oublierai jamais en direct que je devais montrer justement mon papier et que je vais mettre mon masque. C'est une humiliation. Il faut casser un petit peu les résistances, il faut bien humilier les Français, l'auto-autorisation, c'est une honte. Il n'y a pas de fœtus? C'est sérieux du fœtus dans le coca? Avez-vous un lien? Rien n'est sérieux, tout va à la rigolade. Avez-vous un lien SVP? Arrêtez avec SVP là. Donc je vous reprends une info qui sort justement... de Telegram, mais pas seulement, de Twitter, avec même Monsieur Asselineau qui en parle, François Asselineau, les ministres qui ont offert à Borne un maillot Coupe du Monde portant le numéro 49-3. Et c'est pas la seule info que j'en ai une seconde, j'en ai encore une autre, ça concerne l'info d'une rencontre à Matignon pour fêter Noël, avec apparemment, ça paraît un petit peu fake news. Allez vérifier s'il vous plaît. Mais c'est pas la première fois que Elisabeth Borne rigole, même dans l'hémicycle, en rapport avec ce qu'elle fait, avec son dixième 49-3. Donc, qu'il puisse continuer de rire, pourquoi pas. Alors, je vous laisse arriver, pour ceux qui sont pas encore là, de toute façon, c'est sérieux. Qu'est-ce qui est sérieux maintenant? C'est sérieux que les gens se soumettent? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vraiment tout est sérieux dans ce monde? Après, il y en a qui veulent des preuves. Merci, jeune homme. Ce sont des psychopathes. Florian Philippot a bien donné des sources sur son dernier sujet. Là, ça commence à tomber, de toute façon, c'est récent. Donc voilà, après, à vérifier si c'est vrai. Mais c'est un peu comme le trou dans l'ISS. Des fois, je me pose des questions. On est parti loin, quand même. N'oubliez surtout pas que nous les Français, nous avons payé les allers-retours au Qatar du guignol qui nous gouverne. Je vois pas en quoi il gouverne quoi que ce soit, mais bon. Elle a même osé dire qu'elle déplorait l'absence de débat à l'Assemblée. Elle a dit ça aussi, ouais. En rigolant. Merci pour le support stickers. Le t-shirt avec un 49 devant et 3 derrière. Le pire, c'est que ça la fait rien. Martine qui vous dit, va falloir qu'on y remonte à Paname. Il y en a marre. Bah, ça dépend pour quoi faire. Hein. Si c'est pour se faire taper dessus avec du tonfa, avec une matraque, c'est pas la peine. Hein. Maintenant, on nous demande de télécharger un logiciel pour surveiller nos consommations d'énergie. Décidément, la folie n'a aucune limite. Tiens, en parlant d'énergie... parce que là, ça rejoint un petit peu ce qu'ils font actuellement pour se moquer du bon peuple, ou du peuple français, ou des Français. Vous avez donc en janvier, logiquement, des coupures d'électricité prévues, avec cette possibilité pour l'administration de vous prévenir un jour à l'avance. Ce qui fait que l'administration va prévenir aussi
tous ceux qui veulent cambrioler des maisons un jour à l'avance. Donc, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas parti sur de la fake news? C'est de la news officielle. C'est-à-dire que on va prévenir tout le monde de coupure un jour avant. Donc, il y en a qui vont s'équiper. Ils vont lâcher Casto. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Ils vont prendre pas mal d'outils pour essayer de venir récupérer ce que vous avez chez vous. Alors, si vous avez une porte qui ferme, qui est électrique, si tout se déverrouille, bah, c'est plus le cas. Enfin, c'est pas sérieux, non. C'est pas sérieux. Je vous sens remonter, hein. Je vous sens bien énervé, hein. Et encore, on nous dit peut-être qu'on n'aura pas les coupures, en tout cas pas à Paris. Ça, c'est le côté psychologique, un peu comme 2020, mars 2020, et tous ceux qui ont eu peur de sortir de chez eux un petit peu après le mois de mars. C'est très psychologique, ce qui fait qu'après, on est fragilisé. Et au niveau des maladies, bah voilà. Là, c'est un petit peu comme la géo-ingénierie, hein. Bah oui. Il n'y a même pas une semaine, on avait un 2 degrés, 1 degré, moins 1. Là, on a un petit 13. Ce qui fait que les microbes reviennent. Et on chope des saloperies. Et là, bah, on est bon pour aller à l'hôpital, mais on n'ira pas. On n'ira pas. Marie, as-tu vu apparaître mon virement? Où ça? PayPal? Ah tiens, tu PayPal, je PayPal, nous PayPal, on vous PayPal. Si c'est récemment, je suis pas allé voir. J'irai voir après. Vu qu'ils craignent ou qu'ils s'attendent à des explosions de violence. Au ministère de l'Intérieur, ils savent très bien ce qui se passe en France. Ils vont pas nous le dire, sinon ça va donner des idées à d'autres. Donc ils ont prévu des millions d'euros du gaz lacrymo, des gaz lacrymogènes assourdissantes. Et je peux vous dire que depuis 4 ans, je suis sur le terrain, j'ai plus envie de me bouffer du gaz. Et parfois, justement, avec différentes grenades, ça peut faire très mal. Et que j'ai bien vu régulièrement la police qui balançait des grenades sur tous ceux qui filmaient. Et j'ai failli m'en choper plusieurs. Et puis pour ce qui concerne les blindés, ils vont avoir la possibilité de taper sur des gens sans forcément sortir de leur camion. Bon, je bois un petit coup de choco. Sans sucre. La guirlande de mon sapin s'éclaire une fois sur deux. Ah, les coupures. Bah ouais, bon. Alors, ce qui se passe, c'est que psychologiquement, même quand ils s'amusent hein, à Matignon avec leur 49.3, leur t-shirt floqué, psychologiquement, ça va énerver évidemment l'opposition, peut-être pas l'opposition contrôlée. Ça énerve tous ceux qui vont aussi nous transmettre de l'info et ça rend dingue beaucoup de Français, quoi. On devient résistant ? Ben, un peu comme les pompiers qui ont dû justement aider pour le 11 septembre. Et peut-être ceux qui sont arrivés très tôt pour Notre-Dame, on va choper un cancer. Ouais. On devient résistant, on va choper un petit cancer. Après ça peut se soigner, bien sûr. Quoique. 6 coupures, pas de TV. Non mais c'est pas en termes de coupure qu'il faut voir ça. Donc Marie, c'est pour Myriam. As-tu mon virement de 5 euros passé? Mais écrivez-vous sur un chat en privé, mais sur un direct, c'est un peu chaud quand même. Ne pas avoir d'auto-préservation de soi, d'accord. Mais nous avons tous des familles plus ou moins proches. Le problème, c'est un manque de cerveau, d'empathie. Complicité, je vous l'ai dit, une complicité. On n'est pas qu'avec des Français qui veulent faire leur vie. Comme vous tous, peut-être, on est avec des Français qui se soumettent, quoi. Enfin, qui sont complices. Avec Google Pay, d'accord. On va pas revenir sur le côté, les gens sont cons, les gens sont pas conscients, les gens, faut les réveiller. Non, c'est pour vous dire, on est arrivé très tôt sur les événements, après vous pouvez choper dans les poumons pas mal de saloperies, voilà, c'est tout. Après, faut faire attention, quoi. Je suis pas pompier, moi. Les grandes villes ne seront pas touchées par la coupure. Ce sont toujours les zones rurales. La province, comme toujours.
Après, il serait question donc d'AK-47 et Jupipi qui reçoivent des notes régulièrement. Alors c'est très spécial parce qu'on est dans un gouvernement de la 5ème République et logiquement c'est plutôt le ministère de l'Intérieur qui reçoit ces données. Mais là c'est plutôt le cercle du pouvoir le plus proche de Jupipi, donc avec AK-47, que certains connaissent par son prénom et son nom, Alexis Kohler, qui a donc pas mal de conflits d'intérêts sur la tête, qui devrait démissionner mais qui ne le fait pas. Alors il reçoit des notifications, apparemment la France c'est chaud patate. Hein. Parce qu'il y en a qui ont des armes, qui ne veulent pas les rendre. Parce que l'administration récemment a demandé aux Français de rendre les armes. Et elle s'équipe de grenades assourdissantes et même désencerclantes. Pas mal de gaz, mais qui fout en l'air les poumons. De plus en plus fort au fil du temps. Finalement, il ne faut pas se rendre justice soi-même. Et il faut surtout continuer de bouffer du gaz et se faire défoncer la tête par des matraques. Mais bon, je ne suis pas activiste, je ne suis pas là pour me prendre des matraques, j'en ai pas pris encore, et je ne suis pas là pour en prendre dans le futur. Mais ça peut être dangereux, après vous n'êtes pas obligé de vous mettre devant, hein. Vous pouvez me mettre derrière la manif. S'il s'agit de manif pour 2023, avec le proposé par Jupipi comme en juillet 2021, pour, avec aussi le résultat de la réforme des retraites en janvier, justement, faire sortir du monde dans la rue, en réaction. Ils veulent étouffer le rural pour qu'ils puissent les contraindre de revenir dans l'urbain pour mieux les contrôler. Ouais, Laurent, il y a la géo-ingénierie. Pour ce qui concerne les grandes chaînes d'infos continues, entre guillemets, la Chine maîtrise la géo-ingénierie comme d'autres grands pays. On ne va pas dire qu'en France, on la maîtrise. En France, évidemment, c'est tabou. Et peut-être qu'on n'en viendra pas tous à bout. En France, tu ne peux pas parler, évidemment, des chem-chem, des traînées. Même si le type en avion, il passe par ici, il refait tout le tour et on fait plusieurs boucles et après, on dirait qu'il boucle un lacet virtuel dans le ciel. Vous avez Jupipi qui évoque en ce moment le peuple argentin et jamais il parle du peuple français. Non mais il ne s'agit pas de stigmatiser les banlieues. Hein. Là, qui vont dire les cités, il y en a plein dans Paris. Hein. C'est trop facile de stigmatiser pour dire il y a des jeunes qui travaillent pas, patati patata, ou qui font un trafic de drogue. Il y a cité et cité, quartier et quartier, et il y a beaucoup de ras-le-bol dans différents coins de France, et puis on peut aussi penser à tous ceux qui veulent plus, et qui vont plus se laisser faire, donc ça en fait beaucoup, quoi. Il y a les chiffres officiels et les chiffres officieux. Tous les visages des matricules seront filmés et envoyés directement. C'est quoi l'IFHR, Didier Trabourg? Les cousins américains avocats de l'IFHR recevront tout ce qui se passera lors des manifestations. C'est quoi l'IFHR, s'il te plaît? Des cités, il y en a partout, il y en a dans les villes. Vous avez des personnes qui vivent dans des HLM à Paris. C'est trop facile de stigmatiser, de dire « Ah ouais, ces gens-là sont pas bien, ou ces gens-là font n'importe quoi ». Il faudra attendre le 49.3 sur les retraites pour avoir le début des coupures. Il y en a qui le précisent par rapport à ça pour éviter aussi de laisser partir des Français manifester dans la rue et puis tous ceux qui pourraient faire des lives qui pourraient être coupés par rapport aux coupures, par rapport aux antennes relais. On verra. On peut filmer aussi. Y a-t-il un pilote dans la Concorde? Dans le Concorde? Ouais. Le chocolat à Paris, au moins 10 euros ou 8 euros? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. 4 euros. Après, il y en a encore qui vont s'esclaffer, mais bon, voilà, chacun sa vie, chacun sa ville, et parfois à Paris, bah voilà. A du nom le Messi, même date de naissance que la FR Mac. Ouais, mais si vous voyez les chiffres, vous pouvez tout faire dire aux chiffres, tout est leur contraire. 49.3, c'est quoi? C'est 49, l'article, après alinéa 3. La possibilité de ne pas attendre justement des concertations entre députés et de se passer justement d'un résultat législatif. C'est la possibilité pour le 49.3, je l'explique comme je l'explique, hein. Pour le 49.3, c'est une possibilité pour le gouvernement de faire passer ses lois, ses textes. D'ailleurs, je vais aussi aller récupérer la définition peut-être un petit peu plus magique.
Alors, l'article 49.3 de la Constitution donne la possibilité au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote, soit d'un projet de loi de finances, d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ou d'un autre projet, ou une proposition de loi en débat à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Si le Premier ministre décide d'y recourir, sa décision entraîne la suspension immédiate de la discussion du projet de loi. Le texte est considéré comme adopté sans être soumis au vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent. Voilà. C'est bien de le dire, même si certains ne savent pas forcément précisément. Et les questions, en fait, il n'y a pas de mauvaises questions à poser. T'as bien raison, Laurent. Plus jeune, je posais beaucoup de questions et je continue d'en poser, de m'en poser. Et je ne sais pas tout en détail, donc je vais voir précisément. C'est bien de poser des questions. Merci en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur... Tu peux te faire plaisir, tu peux te soulager, puisque peut-être que tu as trop accumulé pour cette année. N'hésite pas, tu peux penser à la base, tu peux penser à tout ce que je propose, ce que j'ai proposé cette année, aux 12 000 vidéos que j'ai sur YouTube, à ce que je vais faire l'année prochaine, à tout ce qui va monter au niveau de l'audience et au niveau des informations. Je suis réalisateur, producteur, diffuseur de mes propres contenus. Je suis sur le terrain régulièrement. Et un peu même... ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est, je l'ai dit hier sur des lives, mais allez voir ce qu'a dit Tim Robbins, qui s'est exprimé sur une chaîne YouTube le 18 décembre dernier. Tim Robbins, l'acteur du film, en français, ils l'ont mal traduit, mais Les Évadés, The Shawshank Redemption, d'après une nouvelle de Stephen King, très bon film. Tim Robbins s'est exprimé récemment parce qu'il a vu la différence entre la réalité sur le terrain et le traitement de l'information par les médias. Et il a compris qu'on l'enfumait. Il n'avait pas compris avant, je crois qu'il a 62 ans, ou soixantaine. Et il n'avait pas compris avant. Laurent, tu vas te demander si tu ne vas pas arrêter et te concentrer sur toi. Bah arrêter peut-être pas, mais te concentrer sur toi, oui. Arrêter, je sais pas, c'est un peu comme ceux qui pensent à fuir ou quoi que ce soit. On continue sa vie, on ne peut pas la transformer, on ne peut pas la changer complètement. Te recentrer, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Jupipi est très tenté d'employer le 49.3 pour les retraites. Il le fera vu que les gens acceptent tout sans moindre discernement. C'est pas déjà plié les retraites. Et c'est tellement plié qu'ils veulent annoncer pour janvier pour éviter. Évidemment, il a voulu éviter le gros bazar. Alors que vous rendez compte. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe actuellement? Il y en a certains qui ne pourront pas aller le 24 chez leur famille. Peut-être même le 31 par le train. Il y a la SNCF qui met en place des bus et qui parle de Blablacar. Blablacar, ça appartient à la SNCF. Hein. Est-ce que c'est pas dans l'idée de promouvoir ces autres services? C'est fou ce qui se passe avec la SNCF. C'est un scandale encore. Et après, on va vous dire, on va vous offrir... merci Marie, on va vous proposer un remboursement. Ben, c'est jamais un remboursement, c'est simplement un avoir. Et quand t'as pas beaucoup de sous, bah, tu vas revoyager avec la SNCF, peut-être dans d'autres conditions, mais c'est pas sûr. C'est pas plié les retraites? C'est pas plié. Dans la tête de Jupipi, c'est plié, hein. C'est pas plié. Ah, parce que vous allez manifester en janvier pour penser que vous allez changer quelque chose. Bah pourquoi pas, hein, je sais pas. Hein. Je vais pas vous manquer de respect pour vous dire ce que vous faites ne sert à rien. Ça sert toujours à quelque chose. Il vaut pas l'article 69 alinéa 36 régissant les rapports. C'est dire quoi ça? Licratis, qu'est-ce que tu sors cette blague là? Je vais vous laisser dans 5 minutes pour passer sur un Twitch, mais comme j'ai commencé en avance, on a encore un petit peu de temps. Et au départ, on a l'impression que c'est une blague, mais oui, notre Premier ministre, logiquement, allez vérifier, s'est fait offrir un maillot de la Coupe du Monde avec 49.3 écrit sur le maillot. Et puis, ils ont bien rigolé au niveau du gouvernement, parce que justement, ils écrasent le législatif, et ils se foutent de savoir ce que pensent les Français. Alors... on est quand même en 2022 et en juin 2022, et je m'en souviens parce que beaucoup n'ont plus souhaité continuer de consulter mes directs, même ceux des autres. Beaucoup ont quitté, il y a un ras-le-bol au niveau des élections, un ras-le-bol de la France pour beaucoup. J'arrive Didier. Et quelque part, on est dans l'année où justement, il y a une partie des Français
qui a fait des efforts pour faire réélire des députés. À quoi cela a-t-il servi ? Avec des députés qui ne partent même pas sur une motion de censure. Peuvent-ils le faire ? Peuvent-ils s'entendre ? Veulent-ils s'entendre ? International Fédération Human Rights. D'accord, la Ligue des droits de l'homme. D'accord. En France, il y a 325 cabinets d'avocats. Des ligues des droits de l'homme. Plus tous les avocats. D'accord, donc tu défends un petit peu ceux qui manifestent. Je croyais que tu allais les cibler pour les... pour les souhaiter les mettre au gnouf. Thierry Lhermitte vous dit IFHR, Institut de formation hôtelière régionale. Ouais, hier on a eu Jésus, c'était sympa. C'est voulu pour le 49-3, le but, dissoudre l'Assemblée. Avec un jupipi qui a menacé, hein, on vit dans une société de gens qui menacent, avec le doigt aussi. Si vous mettez une motion de censure, je dissous l'Assemblée. Mais apparemment, pour ceux qui sont proches de lui, il va le faire. Donc, voilà. On va demander encore aux Français de partir poser leur bulletin. Et il y en a qui aiment bien, parce qu'ils se disent « Ah, bah c'est la démocratie, la majorité Je me sens exister, j'ai posé mon bulletin dans l'urne, je me sens français, j'ai payé mes impôts, j'ai payé mes taxes, je dors dans ma bagnole, j'ai trois boulots, mais bon, je paye plus que ce que je ne gagne, je m'endette, un peu comme la France. » Le lien abonnement marche pas ? Le lien pour Super Sticker Super Chat marche. Et pour le YouTube par rapport au bouton rejoindre, alors je vous le dis, il y a le bouton rejoindre et après accès live, ça marche. Voilà, voilà, voilà. Alors je viens vous voir sur Facebook. Ils se permettent tout car ils se rendent compte que les gens ne disent jamais rien. Parce qu'ils ont un électorat de personnes qui soumettent ou qui sont complices et ils sont entre eux, quoi. Un peu comme l'électorat du pipi, il s'adresse régulièrement à son électorat. Il ne s'adresse pas à tous ceux qui comprennent son manège. Il y en a eu quand même pas mal qui ont eu de l'espoir hein, par rapport aux élections législatives. Et en fait, ça ne servait à rien. Il y en a qui se sont dit, hein, qui même m'ont dit sur ma caméra, mais bon d'accord, il est passé, mais on va se rattraper pour les législatives. Bah, t'as rien rattrapé en fait. Hein. C'est terrible. Hein. Plus ça va, moins ça va. Et voilà. Enfin. L'Assemblée, ouais. L'Assemblée, on peut se poser la question à quoi sert-elle. L'Assemblée nationale. La censure prend l'ascenseur et la vérité. Ouais, mais si ça prend 10, 20, 30 ou 40 ans, on sera peut-être plus là. Ici dans la campagne, un petit resto routier avec un seul menu du jour, entrée, plat, dessert, fromage, un ballon de vin à 13,50€. Fait maison. Fait maison, c'est quand c'est sous vide. Fait maison, ça veut plus rien dire. Ouais, bah à Paris, c'est cher. Mais ce que vous voulez. Je vous dis à tout de suite, on va passer sur un Twitch. Merci à tous, merci les soutiens, merci les modos. N'hésitez pas, vous pouvez vous faire du bien, vous soulager. C'est la fin de l'année, c'est les fêtes de fin d'art, Félix. Et puis c'est surtout cette possibilité, justement, de préparer le 2023 ensemble. Merci à tous. Laurent, faut que j'aille voir ça. J'ai noté. Merci, on y va. Twitch. Twitch.tv/réservoir live. Merci.